Bonjour, vous voilà dans un court tutoriel pour apprendre à réaliser des fidèles. Alors, j'ai commencé par choisir le niveau 1 de niveau de programmation à l'aide de Picto. Alors, si on veut que les Pictos soient aussi gros, on peut appuyer ici, hein, et on va voir la taille des Pictos se modifier. Alors, on a ici le bloc quand pour commencer. J'ai pris des blocs ici dans la section verte et je les ai apportés dans le fond dans ma ligne de programmation. Lorsque je clique sur mon picto rouge, je peux venir changer la couleur donc de ma lumière. Alors, je peux choisir. Je peux aussi choisir le type de clignotement. Alors, à faire, ici, je vais prendre un clignotement différent. Alors, vous allez pouvoir observer. Une fois que j'ai fini ma programmation, j'ouvre mon simulateur et je fais partir mon programme. On pourra donc observer. Évidemment, mon programme ici dit d'allumer ma lumière jaune. On voit que c'est pour faire le tour des quatre DEL et tant que je n'appuierai pas sur stop, le programme ne s'arrêtera pas. J'ai programmé avec le niveau 1. Si je clique sur le niveau 2 en bas à gauche, on va pouvoir voir les blocs. Alors, je vais rapetisser pour qu'on les voit comme il faut. On voit l'équivalent en bloc de texte et en bloc pardon, de programmation et finalement en bloc textuel. Alors, on pourra voir, et ça c'est assez intéressant, les différents niveaux de programme avec des programmes équivalents. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût d'explorer ce défi d'elle.